nous retrouvons pour un smoothie. Et un smoothie que je vais dédier à nos amis canadiens. Pourquoi? Eh bien, parce que je vais utiliser du sirop d'érable. En France, j'ai pas le droit. Alors, je vais dire que c'est pour vous, comme ça, je serai tout excusée par le grand chef. Alors, pour cette recette, nous allons utiliser des myrtilles. Alors, j'espère que vous avez tous pensé, tout comme moi, à garder les myrtilles de votre jardin au congélateur et ça va nous permettre de faire ce smoothie. Donc je mets dedans voilà, une belle poignée de myrtilles. Je vais rajouter du charbon actif. Pourquoi du charbon? Eh bien figurez-vous que j'ai vu ma grand-mère toute sa vie en prendre le matin, qu'elle nous a quittés à 102 ans et les choses qu'elle pratiquait c'était le lavement, manger sainement, avoir une activité physique puisqu'elle habitait quand même au troisième étage sans ascenseur jusqu'à, je crois, 90 ou 92 ans. Et entre autres, donc, du charbon actif. Donc voilà pourquoi je vous propose une petite boisson au charbon actif. Alors je rajoute une belle cuillère à soupe de charbon actif. Juste après les agapes des fêtes, ça vous fera du bien. Je mets un petit peu de sirop d'érable, du jus de citron avec mon presse-agrumes québécois, hop, un peu de citron, je rajoute 200 ml d'eau, c'est presque prêt, hop, et voilà la potion magique, j'ouvre délicatement parce que j'ai pas envie d'en mettre partout, alors ça fait une boisson toute noire, regardez, tchin, et voilà une façon d'avaler son charbon le matin. À bientôt. Au revoir.